pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ben, concrètement, ça part aussi de, ça part du plaisir que j'ai eu en faisant un récemment, il y a un an. Je n'en sais rien, je me suis amusé et que je m'amuse toujours avec les acteurs. Je sais qu'un film, c'est d'abord les acteurs. Je sais que ce n'est pas l'exécution d'un scénario. Moi, j'ai toujours envie de travailler. J'ai toujours envie de me voir travailler, mais j'ai encore plus envie de voir les autres travailler devant moi. J'ai rencontré Jacques Doyon, il cherchait quelqu'un pour le casting du mariage à Troyes et on s'est très bien entendu quand on s'est rencontrés, donc du coup il m'a proposé de m'en charger. Donc je suis partie et j'ai commencé à travailler sur son film. Et puis surtout j'ai pu faire le making-of du film parce qu'il laisse très très peu de gens le voir travailler parce qu'il faut savoir que, comme il le dit dans l'interview, il arrive le matin sur un plateau et rien n'est décidé à l'avance, donc il travaille avec les acteurs pendant un quart d'heure, 20 minutes, il les met en place et seulement l'équipe technique arrive avec les comédiens. C'est vraiment un travail de création, c'est-à-dire qu'il y a rien n'est défini à l'avance, on a un papier avec un texte qui compte beaucoup, mais tout s'imagine avec les acteurs, suivant l'état dans lequel on arrive le matin, dans quel état sont les acteurs, tout peut être différent, une phrase peut avoir plus de sens dite à cet endroit-là ou à cet endroit-là par rapport à plein de choses qui sont en train de se passer. Donc ça m'a vachement parlé en fait. Je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui ne fait pas de storyboard alors qu'à l'école on nous demande des storyboards, on nous demande des plans de placement de caméra et tout ça. Moi, c'est le truc qui m'ennuie le plus au monde, donc voir quelqu'un se donner cette liberté, se l'octroyer et dire ben oui, pourquoi pas, moi j'ai toujours été autodidacte, pourquoi je devrais faire, parce que tout le monde dit qu'il faut faire comme ça, parce qu'il y a une méthode, pourquoi, enfin non, il faut faire ce qu'on ressent. Et ça m'a libérée en fait, ça m'a énormément libérée, je me suis dit mais peut-être que je me trompe pas, peut-être que je dois plus être à l'écoute de moi-même aussi et faire comme je le sens. Et d'ailleurs pour le film que j'ai fait en l'occurrence, comme c'était un film aussi qui a été fait très très vite en 3 mois, que le scénario heureusement était assez solide, j'aurais aimé le travailler plus bien sûr, mais il était quand même là. J'ai utilisé cette méthode-là avec 2 caméras, ce qui n'était pas facile, et je me suis rendu compte que le film, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dedans, qui est cette liberté que je crois que les acteurs ont trouvée, et cette fraîcheur, on va dire fraîcheur, j'aime pas trop ce mot, mais fraîcheur, qui les porte en fait, où rien n'est embriqué, rien n'est fermé dans une case, quoi, et on les sent vivre et on les suit. Et ça, je suis contente, je pense, de l'avoir réussi dans le film. Adrien ! Attends, t'es en train de piquer les fringues, là? Ouais. Mais quoi, mon pantalon, il est tout mouillé, et puis mes fringues, elles sont mieux que ça. Ah, c'est pas faux. Bon. Qu'est-ce que tu fous, là? Oh, viens. Quoi, viens, et quoi? Bah, viens m'aider. C'est la rencontre avec David qui m'a fait dire... Tu as trouvé quelqu'un de formidable, ça n'arrive pas tous les jours. Il avait envie de faire des films. David, il a très très peu de temps parce qu'il a énormément pris au théâtre. Et donc je lui ai proposé un jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit je vais faire un road movie avec David, je vais lui proposer. Et il m'a dit, ben moi je veux bien, mais j'ai 3 semaines en août, quoi. Donc c'est ces 3 semaines-là, ou alors après je suis pris jusqu'en 2014. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Donc je me suis dit, j'écris un film. Donc c'était vraiment 1 mois et demi avant le tournage que j'ai écrit le film. Donc tout s'est écrit vraiment 1 mois et demi avant. Bon, ben, il y a cette histoire qui est la vérité, qui est un peu larmoyante comme ça, mais c'est la vérité. C'est que ma mère est décédée il y a 2 ou 3 ans et elle m'avait laissé de l'argent en me disant « achète un appartement ». Et je m'étais toujours dit « non, peut-être que ça va servir un jour à faire quelque chose ». Et en fait, donc, je travaillais un peu à la télévision et je savais que si je voulais, je pouvais rester à la télévision et continuer. Et puis j'avais ce désir de faire des films très très forts, très vital, enfin une vraie nécessité. Il y a 2 acteurs qui sont libres, pourquoi tu ferais un court-métrage, enfin écris un long qui te parle, où tu dis ce que tu as envie de dire, ce que tu as besoin de dire, et prends l'argent. Donc on a commencé à se dire combien ça coûte. Donc évidemment, tout le monde était d'accord que de le faire gratuitement, il fallait une location du matériel, de caméra quand même, les loger, puisqu'on se déplaçait en Belgique, dans différents lieux. Et finalement, ça, c'était une certaine somme, mais c'était dans les moyens de ce que j'avais. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, autant, on va faire ça. On a fait un budget avec Sarah, une fille qui avait fait l'insas, et Louise, mon assistante. On s'est dit, ok, on peut y arriver avec autant. On y va, quoi. Excuse-moi, je peux savoir ce que tu... Excuse-moi, mais je suis encore... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, ok, on est là.
C'est l'histoire de leur rencontre aussi, de lui qui a ses petites certitudes et elle qui vient les mettre en branle en lui posant des questions, que lui lui retourne aussi parce qu'il y a un petit côté existentialiste comme ça dans le film, mais que lui vient souvent ironiser en fait. Lui, il amène vraiment un côté très très léger au film, où finalement les questions qu'elle se pose, qui parfois peuvent être un petit peu lourdes, il vient les rendre très légères en la remettant en question aussi par rapport aux certitudes qu'elle a. Donc tous les deux, ils se remettent en question à travers le film. Voilà, on n'est plus personne. On est presque égalité. T'es complètement cinglé, toi. C'est pas très important, les papiers. Hein. C'est juste un moyen de savoir des choses pas très utiles sur tout le monde. Le mieux, c'est de s'en débarrasser, je crois. Il y a des gens qui crèveraient de faim pour avoir des papiers. Balancer ça à l'eau, c'est vraiment un truc de sale gamine capricieuse. Quoi. Ah ouais? Ouais. C'est froid? Ouais, c'est froid. C'est une copie de travail qui était envoyée à Cannes pour la sélection. Et j'ai été très surprise parce qu'ils m'ont appelé jeudi passé en me disant « Vous êtes dans les 16 derniers, mais on n'en prendra que 9. » Et puis j'ai dû encore attendre 3 jours où ils m'ont appelé « On a aimé beaucoup le film, vous êtes dans les 9. » Donc j'étais un peu très surprise, très émue. Parce que quand je vois le parcours, en fait, jusqu'où on peut arriver finalement avec de la volonté, je me dis rien n'est impossible. Et c'est ce qui me plaît, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation du coup autour du film, etc., à cause du fait que je l'ai fait seule, etc. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent tu nous prouves qu'on peut encore faire des choses tout seul et qu'on peut être aussi en dehors du système et quand même s'exprimer librement. Et ça, je trouve super que ce message-là passe, parce que je crois que vraiment, avec de la volonté et effectivement un petit peu d'argent qu'il faut trouver, on peut toujours arriver à faire ce qu'on veut, quoi. Arriver à se trouver, à trouver ce qu'on a besoin de dire, à l'exprimer en tout cas. Voilà.